les 200 millions de dollars pour l'entretien de la route sous le colis. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris ou si c'est 200 000 dollars ou si c'est 200 millions. Franchement, je ne sais pas trop, mais si c'est 200 millions de dollars, alors c'est énorme. C'est plus qu'énorme. C'est exagéré et c'est abusé. Pour l'entretien des routes. Et vous connaissez l'état des routes. Déjà, il n'y a même pas de route. Maintenant, parler de leur entretien, ça, c'est un autre débat. Il y a d'autres chiffres qui sont sortis. Bon, moi, je ne tiens pas compte de tout ça. Je préfère rester sur cette histoire de route parce que nous savons que les routes sont... Il n'y en a même pas. Le peu qu'il y avait se dégrade de plus en plus. C'est de plus en plus dégradé. Attendez, hein. Donc, 200 millions de dollars pour entretenir les routes et avoir les routes qu'on a jusqu'à présent, c'est plus que la catastrophe. Donc, si ce qui se passe aujourd'hui ne s'était pas passé et que ce monsieur-là meurt au pouvoir, excusez-moi si je ne réponds pas aux salutations et autres, je ne vois pas les commentaires, il y a des moments comme ça, vous savez, hein, voilà, c'est comme ça, on va faire avec, on va se débrouiller comme on peut et essayer de partager la vidéo, s'il vous plaît. Si le colis n'avait pas été emballé comme c'est emballé aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas au courant de tout cela. Les routes n'ont pas été faites, rien n'a été fait. Apparemment, l'argent a été déboursé, l'argent a été payé. Maintenant, quand le colis sera jugé, c'est pendant ce temps-là qu'on saura tout cet argent-là. Où est-ce que c'est parti? Ça a été débloqué par qui? Et ça a été remis à qui? Voilà. Qui est-ce qui devait le faire? Qui est-ce qui ne l'a pas fait? C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas, je vais revenir sur ça régulièrement, c'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas que le colis soit jugé. Parce que toutes les personnes qui ont fait ces bêtises-là, ils vont répondre. Parce qu'il se peut que le colis, Dieu seul connaît ce que lui il a fait. Voilà, on ne peut pas l'accuser de tout. Il ne peut pas être coupable comme ça. C'est pourquoi si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas qu'il y ait la justice, qui ne veulent pas que le colis soit jugé, c'est pas par amour pour le colis, c'est par amour pour eux-mêmes. Eux, ils ne veulent pas être inquiétés, ils ne veulent pas avoir de problème demain. Tandis qu'il faut qu'ils répondent. Parce qu'on voit que même Orange, ils ont reçu de l'argent pour la 4G. Bon, il y a beaucoup de chiffres, il y a énormément de chiffres. Mais il faut que tout cela soit validé, il faut que ça soit sûr aussi. Mais les routes sont là. Les routes sont là, c'est visible, c'est palpable, c'est la catastrophe. Partout en Guinée, c'est la catastrophe. Vous imaginez 200 millions de dollars. Ou bien si c'est 200 000 dollars, peut-être que c'est 200 000, je ne sais pas. Mais si c'est 200 millions de dollars, c'est vraiment énorme et c'est de la foutaise. Les gens là, je ne sais même pas quel genre de personnes ils sont. Qui peut faire ce genre de choses? Ils le faisaient parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas répondre devant la justice. Ils ne pensaient pas qu'aujourd'hui allait arriver. Mais c'est arrivé. Donc, il faut mettre tout en œuvre. Ceux qui disent que le colis doit être libéré, nous aussi, nous allons faire en sorte que le colis ne soit pas libéré, Inch'Allah. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. Parce qu'il doit y avoir deux camps. Ceux qui veulent la libération du colis, parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Ils ne veulent pas que leur intérêt soit coupé. Il faut comprendre ça. Ça, c'est leur intérêt à eux. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. C'est leur droit. Nous aussi, qui voulons que le colis soit jugé par rapport aux morts qu'il y a eu pendant les 11 ans, déjà, quelle est sa responsabilité là-dedans? Ça, c'est un premier point. Les sommes qui sont en train de sortir aujourd'hui, là, comme les 200 millions de dollars, ou si c'est petit, j'espère que c'est 200 000 dollars, parce que 200 millions, là, c'est trop. Ah, c'est énorme. Même si c'est 1 million de dollars, c'est trop. Donc, on saura où ça s'est parti, où les autres sommes sont parties, le comment, le pourquoi de la chose, qui a fait quoi. Donc, il faut que le colis soit jugé. Et il faut que nous aussi, de l'autre côté, ceux qui veulent ce jugement-là, le réclament. Il faut réclamer le jugement pour appuyer. Il ne faut pas se dire que non, 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 le colis est dans de bonnes mains. Bon, bon, voilà, c'est bon, ça y est, il ne faut pas s'inquiéter, tout sera réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours deux choses, le pour et le contre. Mais quand il y a un truc pour et que le pour remporte, même si ça ne joue pas, ce n'est pas joli à voir. Et ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens et de logique. Il dérangeait beaucoup de monde. Voilà. Il était là. La majorité ne voulait pas qu'il soit là. Donc, il doit être jugé. Maintenant, si cette majorité qui veut qu'il soit jugé ne réclame rien, est là, ils attendent.
soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est mon point de vue, hein, c'est ce que je pense. Un. De deux, le côté le deuxième sujet concernant la transition, la CEDEAO, les partis politiques, le peuple et tout ce que vous savez, et tout ce qui, tout le discours que, comment on appelle ça, le CNRD a eu à faire hier, c'est par rapport à ça que j'ai englobé tous ces trucs-là, c'est-à-dire le peuple, les partis politiques, le CNRD et tout le monde, pour que je puisse vous expliquer en gros, globalement, pour qu'on puisse comprendre déjà ce qui se passe et ce qu'on peut faire chacun à son niveau. Encore une fois, excusez-moi, je ne vois pas les commentaires. Je suis désolée s'il y a des gens qui saluent et que je ne réponds pas. Je ne vois pas les commentaires ici, je ne vois pas les cœurs, je ne vois rien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, ce n'est pas grave, on va faire comme ça. Vous savez, cette page-là, elle a énormément de problèmes. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est victime de son efficacité ou peut-être que parce que certains de mes mensonges coïncident, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Allah seul le sait. Voilà, nous allons continuer comme ça. Nous allons faire comme on peut. Donc, concernant la transition, nous avons écouté le CNRD hier. Et, bon, la dame qui parle pas, ça elle les représente. Pour la date, soi-disant, la date globalement ne sera pas fixée. Et, en tout cas, ce mois de décembre, là, on est le combien aujourd'hui? On est le 14 ou le 13, quelque chose comme ça. Donc, dans deux semaines. Il faut attendre encore, on ne sait pas quand. Donc, la date de la transition n'est pas fixée. Ce que je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Les gens là, ce ne sont pas des démocrates. Premier point. La démocratie a échoué. Ce n'est pas un débat. Moi, je vous ai toujours dit ici, je ne me bats pas pour la démocratie. Je ne le cache pas. Je l'ai toujours dit. Parce que c'est un faux truc. Mais au fil du temps, nous allons le comprendre. Mais comme la démocratie donne la porte ouverte à tout et n'importe quoi, on se sent libre et c'est un peu le libertinage, tout le monde se bat pour cette démocratie. Mais pour l'instant, ça ne donne pas. Ça ne donne pas des. Et les morts que la démocratie a amenés en Guinée, ça a amené beaucoup de choses. La démocratie nous a divisés. Toutes ces histoires ethniques-là, c'est la démocratie qui a renforcé. La pauvreté, c'est la démocratie qui a renforcé. En tout cas, en Guinée, ça n'a pas donné. Et quand vous prenez les autres pays d'Afrique, bon, moi, je ne sais pas. Hein, pour l'instant, ça ne donne pas. Puisque ceux qui viennent au pouvoir s'éternisent. Et on n'aime pas l'armée non plus. Maintenant, quoi faire? Comment faire? Maintenant, comme ceux-là sont là, nous devons voir les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés. Et pourquoi ils sont là. Parce que sinon, nous allons nous retrouver dans un piège dont on ne peut pas sortir, c'est-à-dire, le piège dont on ne peut pas sortir dans un pays, c'est aggraver la pauvreté, c'est aggraver le taux de mortalité, la criminalité, tout ce que vous savez, le manque d'éducation, c'est-à-dire tout ce dans lequel le colis nous a laissé, aggraver encore cela. Ça, c'est le pire. Le pire, ce n'est pas la guerre. Je vous le dis toujours, nous vivons les conséquences de la guerre. Nous n'avons jamais connu la guerre, mais nous vivons les conséquences de la guerre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est à nous de s'asseoir et de réfléchir pour se dire, mais, ah, c'est les autres qui boivent. Quand eux, ils boivent l'alcool, c'est moi qui suis sous. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai l'effet de leur alcool que eux, ils boivent. Donc, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons un problème. Je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi moi, je reviens souvent à la religion. Même si vous dites que ça ne développe pas. Mais c'est une éducation. Quand on l'assimile, c'est une éducation. Contre la corruption, contre le mensonge, contre la délinquance, contre beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'un imam échoue que l'islam a échoué ou que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce que les gens interprètent mal et l'utilisent de leur manière que ça a échoué. Non. Le jour que les bonnes personnes vont se lever dans ce sens-là, ça marchera. Le jour que les bonnes personnes vont faire de ce combat un état d'esprit, un mode de vie et un style de vie, comme je le dis régulièrement, nous allons peut-être nous en sortir. Parce que c'est Allah qui donne le pouvoir. C'est tout le monde le dit. Hein? Donc, la façon dont le colonel Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, moi, en tant que croyante, je pense que c'est Allah seul qui peut faire cela. Là où on était, c'est lui seul qui peut faire ce qui s'est passé. Personne ne peut faire ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la force du colonel, ce n'est pas ma force, ce n'est la force d'aucun d'entre nous. C'est Allah qui peut faire ça. Mais il passe par des gens. Il passe par ses créatures. Il passe par des djinns, par des humains, par les animaux. Il passe par toutes ces créatures pour arriver à un truc. Parce que lui-même ne peut pas venir.
Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, le premier piège, c'est le piège de la CEDEAO. Voilà. Aujourd'hui, nous avons plusieurs camps. Nous avons plusieurs partis politiques, des politiques qui veulent que la transition se passe bien, vite et très rapidement. Nous avons ce camp-là. Nous avons le camp qui n'est pas du tout content du colonel Mamadi Doumbouya avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire vu que le colis soit emballé. Ceux-là ne sont pas contents. Voilà. Et il y a un autre côté, je voulais dire, ah, Oumou Salam, madame. Eh, alaykoum Salam, Ramatoulaye Barakatou, ma chérie. Salam, ma soeur Marie. Vraiment, merci. C'est le premier commentaire que je vois. Awayandi, les autres aussi, peut-être que je vais voir. Peut-être qu'elle est plus sincère que vous, j'en sais rien. Merci beaucoup, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Il faut essayer de partager la vidéo, s'il vous plaît, et mettre beaucoup de cœur, Inch'Allah. Donc, on a ce camp-là. Ce camp-là, Chimène Lagarde. Merci, ma chérie. Atarumbemeniba. Ah, bonsoir à l'autre monsieur qui a écrit en arabe. Merci beaucoup à toi aussi là-bas. Voilà les trois commentaires que je vois. Il faut partager, s'il vous plaît. Donc, le camp-là, aujourd'hui, veut que cette transition-là échoue. Un, de deux, que le colonel Mamadi Doumbouya échoue. De deux, que les partis politiques soient déçus. De trois, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont ni la force mentale pour réfléchir à cela. Parce que s'ils avaient cette force mentale pour réfléchir à cela, on n'allait pas arriver là. Mais comme en général, il y a des partis politiques par lesquels toujours les gens passent quand eux, ils ont faim, ils veulent faire croire que les autres ont plus faim que eux, ils vont pousser ces partis politiques-là. Notamment l'UFDG et la NAD. Vous n'auriez pas plus faim que eux. Vous ne seriez pas plus pressé que eux. Vous ne souffrez pas plus qu'eux. Vous avez vu, hein? Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu prendre le pouvoir. Il y avait d'autres groupes. Je vous l'avais dit qu'il y avait d'autres groupes. Celui-là est venu prendre. Pourtant, on traite, et là je sais le Delen Diallo, d'assoiffé de pouvoir. C'est ça qu'ils disent. Mais il s'est ressaisi, ou bien? Voilà. Donc, je reviens, c'est Allah qui donne le pouvoir. Parce que ce qui arrive avec le colonel, c'est Allah qui peut faire ça. Les gens que lui, il arrive à limoger aujourd'hui, à mettre hors jeu, c'est lui qui peut faire ça. C'est Allah qui l'a amené pour nous faire une petite justice. D'abord, une petite justice, une lueur de justice. Donc, nous devons le soutenir. Parce que si nous ne le soutenons pas, on aura trois groupes. Quand on a trois groupes, je vais vous citer les trois groupes là. Les partis politiques, les extrémistes de chaque parti politique, les extrémistes de l'UFDG, de l'UFR, du PDN, de tout ce que vous savez, vont se réunir, mettre l'UFDG devant, encore salir plus l'UFDG, tandis qu'eux sont derrière. Quand ça va chauffer, ils vont se retirer comme d'habitude. Ça, c'est un premier groupe. L'autre groupe, c'est ceux qui ne sont pas contents du côté du parti qui était au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Eux aussi veulent que Mamadi échoue. Parce que quand il échoue, dans leur tête, les partis politiques vont se révolter contre lui. Et à ce moment-là, ils vont dire à Mamadi Doumbouya, on t'avait dit non, c'est pas eux qui t'ont applaudi. Ah ouais, les voilà. Là maintenant, ils sont contents en quelque sorte. Même s'ils ne sont pas contents, ils vont faire semblant d'être contents. Donc, c'est une situation très, 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 très délicate. Si nous prenons dans ce sens-là, eux vont se servir des partis politiques pour combattre le CNRD. Tandis que l'arrivée du CNRD a beaucoup arrangé beaucoup de partis politiques. Les partis politiques que ça a arrangé le plus, c'est une question de logique et de bon sens. Ils doivent être derrière le CNRD. Quoi qu'il arrive, il y a des justices qu'un être humain lui-même ne peut pas faire. Je vous l'ai dit ici à peu près un an. Restez chez vous, ne sortez pas. Il y a des gens qui ont plus mal que vous. Ils vont se moquer de vous. C'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Vous allez voir, ils vont commencer à dire, ah, voilà, la date de ta transition, c'est 5 ans, c'est ci, c'est ça. Que ce soit Elhadj Sellou Dalen Diallo, M. Sidi Atouré, M. Lansana Kouyaté, M. Ousmane Kaba, ou qui que ce soit, ou un nouvel homme politique, si c'est lui qui doit remplacer le colonel Mamadi Doumbouya dans un mois, ça se fera.
Dans 20 ans, Inch'Allah, ça se fera. Dans 50 ans, Inch'Allah, ça se fera. Si Allah ne le veut pas, ça ne se fera pas. Avec la démocratie, on a tout essayé, on a tout fait. Ce monsieur-là est parti, sorti de Fourikaria. Il a des cancans. On est venu le jeter à Fourikaria. Il est parti jusqu'à Sekouturia. Comment ça s'est passé là-bas? C'est eux qui savent. Et on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc, avec ce qui se passe à Guinée là, même si tu n'es pas croyant, tu dois savoir que Allah est dedans au moins à 50%. Et à cause de 50% là, il faut respecter ce qui se passe. Il y a des gens plus fâchés que les partis politiques. Qui seront encore plus fâchés que les partis politiques. Ils ont une force de mobilisation que nous avons commencé à voir, non? Ils n'ont qu'à se mobiliser pour libérer leur colis. Si les partis politiques commencent aujourd'hui à se tirailler par-ci, par-là, parce qu'ils ne sont pas contents du colonel, parce qu'il n'a pas donné la date de la transition, parce qu'il a l'intention de s'éterniser au pouvoir, ils vont commencer à faire des trucs. Quels que soient les mouvements, les autres veulent la libération du colis. Nous, nous voulons le jugement du colis. Ça va affaiblir le CNRD. Qu'il lâche le colis bas. Que le colis parte se soigner en Turquie ou en Tunisie ou en France. Je ne pense pas si ça va gâcher sur un truc sur le CNRD. Je ne crois pas. Mais sur les partis politiques et les victimes, ça va gâcher beaucoup de choses. Donc, nous devons penser à tous ces facteurs. C'est tout un ensemble de choses. Parce que eux, ils passent toujours par la manipulation. Ils ne sont pas pour la vérité. Ils sont pour le mensonge et la sensibilité et l'émotion des gens. Ça, il faut essayer de le contrôler. Il faut savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il faut connaître cela. C'est très, très important. Nous, on ne va pas faire le combat de quelqu'un. Ou alors, on fasse un combat que quelqu'un vient se cacher, passer derrière cela, pour que le colis soit libéré, parce que ça va affaiblir le CNRD. Et eux, ils auront deux forces de frappe. Nous, on n'aura même pas une seule force de frappe. C'est nous qui allons perdre. Parce que, on va dire que, ah, tu as vu, non? Il aurait fallu que le colis là-même meure au pouvoir, et puis on serait tranquille. Votre CNRD est venu, ils ont échoué, vous ne vous entendez pas, tous les jours, c'est les problèmes. Maintenant, voilà. Le CNRD, qu'ils le disent ou pas, au fond, ils vont dire, ah, on comprend pourquoi le colis s'est comporté comme ça. Les autres vont dire, ah, on t'avait dit. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter cela complètement. Il va se passer ce qui va se passer. Un. De deux, si on n'est pas content, moi, Marie Sissoko, là, je ne suis pas content du CNRD. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis assise ici à peu près un an, parler et prier, dans tous les sens. La prière est tombée sur celui-là. Si c'est un fou, parce que c'est le peuple de Guinée mérite un fou, la majorité d'entre nous, on a la folie. Si c'est un drogué, c'est que la majorité de la population est droguée. Maintenant, quand nous allons reprendre nos esprits dans la population, nous allons diminuer la drogue, lui aussi va diminuer. Parce que nous, Allah va nous amener ce qu'on mérite et qui on mérite. Au fur et à mesure que le peuple change, celui qui a la tête va s'adapter au peuple. Forcément, c'est obligatoire, c'est spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on mérite, ce que les Guinéens méritent, tout ce que les peuples du monde méritent, c'est ce qu'ils ont. Il n'y a pas 50 000 routes. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, je vais poser la question à ceux qui me regardent et ceux qui vont me regarder plus tard. Depuis que le CNRD est là, parce que ce qui s'est passé, c'est un miracle d'Allah. Qu'est-ce que vous avez fait pour Allah? Qu'est-ce que vous avez changé dans vos vies? Parce que lui, pour le récompenser, il faut aller sur son chemin. C'est ce qu'il aime que tu fasses. Tu ne vas pas lui donner des gueux. Il n'en a pas besoin. C'est lui qui les a créés. Tu ne vas rien lui donner qu'il n'a pas. Tu l'adores correctement. Tu essayes d'éviter les interdits. Maintenant, vous devez vous poser la question. Allah nous a sauvés. Ceux qui pensent qu'ils sont sauvés, hein, ceux qui pensent que c'est Dieu qui a fait ça, vous devez commencer à vous poser ces questions pour le récompenser, pour être d'accord, pour que Allah soit content de nous, pour que les choses se passent en notre faveur, un de ces jours, progressivement. C'est un passage obligé. C'est un processus. Si moi, je ne suis pas contente aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler.
C'est trop tôt. Je vais manifester. Les gens ont manifesté 10 ans. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. D'ailleurs, avec les manifestations, avec toutes les dictatures que nous avons eues, on n'a connu que des dictatures. Qui est-ce qu'on a pu enlever déjà en tant que civil? Moi, je suis réaliste. Vous n'allez pas aimer ce que je dis, hein? Mais je suis réaliste, c'est tout. Entre ce que tu veux et ce qui se passe au fond d'eux, ce que moi je veux et ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est deux choses complètement différentes. Je dois m'adapter à ce qui se passe pour pouvoir me positionner et me projeter et savoir quoi faire et me servir des leçons du passé. On n'a pas réussi à lever le feu président Conté par la rue, malgré sa vieillesse et son affaiblissement de santé et mental. On n'a pas réussi. Le colis, on n'a pas réussi. Un militaire et un civil. Voilà un militaire qui est là, qui est jeune. Il n'a pas fait un coup d'état contre un mort. C'était tellement bien fait qu'on a pensé, que certains ont pensé, les vendeurs d'illusions ont pensé que c'était un coup monté. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas réveillés. Moi, je vais sur un terrain, là où j'ai le haka avec la personne. Je sais que là-bas, peut-être, si Allah m'aide, je vais gagner. Mais là où je n'ai pas le haka avec la personne, je ne me bats pas pour perdre des. L'objectif, c'est de gagner ce que je veux. Mais il y a des critères pour se battre contre une personne. Si tu ne respectes pas ces critères-là, tu ne vas pas gagner. Donc, les gens qui ne sont pas contents, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est très, très délicat et très, très glissant ce qui va se passer. Très, très glissant. Parce que ce monsieur-là, le CNRD et tout ce qui se passe, si nous essayons de mettre la pression, ils vont se braquer. Ils vont se braquer. Et ça va arranger le colis. On ne parlera même plus de jugement. Ça va arranger le colis et ses adeptes. Et attention, c'est ce qui pousse les gens à la dictature. Parce que quand une personne se sent en danger, il se défend. Voilà, parce qu'il faut essayer de se mettre dans la tête du colonel. Moi, je pense qu'il est français. Il a 4 enfants en France, sa femme est gendarme. Il aurait pris tous les dossiers qu'il connaît sur la Guinée. Il vit en France. Et dès que je viens en vacances, en tout cas, il se débrouille, il sort de la Guinée. Il dépose les dossiers, il fait des 2-3 vidéos, et c'est réglé, parce qu'il est témoin de beaucoup de choses. Mais il ne l'a pas fait. Parce que même si tu n'aimes pas quelqu'un, ce qui se passe, il faut dire la vérité. Il faut te mettre à la place de la personne. Donc cette personne va faire ce qu'il a fait, et puis, il va organiser les élections, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, comme la CDAO le dit, au bout de 6 mois. D'accord. 6 mois à partir de quand? 6 mois à partir du 5 septembre ou 6 mois à partir de décembre là. Mais cette même CDAO là, les opposants, tout le groupe d'opposants, FNDC, tout ça, ils ont porté combien de plaintes à la CDAO? Ils ont été là-bas combien de fois? Ils ont été interpellés combien de fois? La CDAO n'a rien fait. Pourquoi c'est maintenant que cette CDAO là s'inquiète pour nous? Vous n'êtes pas sans savoir que la CDAO a reçu beaucoup d'argent du colis. La CDAO a reçu beaucoup d'argent du colis. Donc la CDAO sera aussi poursuivie peut-être. Pourquoi pas? La CDAO ne venait pas gratuitement. Hein? Ils prenaient beaucoup d'argent et beaucoup d'or, il paraît. Donc c'est pourquoi ils avaient un pied sur le dossier. Ils ne veulent pas que cela se sache. Et tout ce qui va réussir pour la Guinée va contaminer les autres pays. Pour l'instant, c'est le Mali. Mais nous savons ce qui se passe autour. Ça ne les arrange pas. Parce que si ça réussit pour la Guinée, force spéciale, il y en a partout. Ils vont aider leurs autres amis. Parce que la démocratie a échoué. Ce n'est pas un débat. Elle a échoué. C'est ce qu'elle montre. C'est ce qu'elle prouve. Je ne sais pas pour demain, mais aujourd'hui, elle a échoué. Avec ce qui se passe avec Ela Sérouda Lengendo, qui a levé le petit doigt? Qui a levé le petit doigt? Qui même parlait de victoire même? Qui?
Tandis que c'était un truc qu'il fallait renforcer au niveau international. C'est ce que moi je propose à l'UFDG. J'ai dit, hors de la Guinée, nous devons manifester, réclamer cette victoire. C'est pour mettre la pression, pour dire que le peuple n'est pas d'accord avec celui qui est là. Mais bon, apparemment, ça n'a pas été compris. En fait, bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, il faudrait que chacun sache quoi faire et comment faire en l'avantage de qui ça part. Parce que je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, tous ces audits en vue, tous les limogés, tous les groupes mis à côté, aucun homme politique ne peut le faire dire. Sauf Dieu dit. Aucun homme politique ne peut le faire. Vous voyez qui parmi ceux-là qui va limoger Baïdi, qui va amener la sœur de Baïdi, Aïssata Aribo, au tribunal? Qui? Le monsieur de la HAC. Vous voyez qui parmi eux qui va le faire? Vous savez le monsieur de la HAC, là, tout ce qu'eux, ils ont fait sur nos pages ici. Vous savez ça? Hein? Donc, il faut être réaliste. Ce qui va se passer, se passera. Et n'a amené Siba Kikolo Inyerkima. C'est ce que tout le monde attend. Tandis que eux-mêmes, ils veulent ça. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, ils ont leur dindon de la face, comme ils le disent, leur mouton à eux, qui vont le faire pour eux. Alors cette fois-ci là, celui qui veut demander la libération du Koli, tu te débrouilles. Ça, c'est ce que je pense. La rue ne va pas aller vers un président en Guinée. La rue ne va pas mettre un président en Guinée. Celui qui veut nager, tu vas nager. Celui qui veut monter au ciel, tu vas monter au ciel. Celui qui veut ramper, tu vas ramper. C'est-à-dire, ça ne trouble même pas le sommeil des gens qui sont à la tête. Le président, les présidents qui sont à la tête en Guinée là-bas. Les manifestations ont conforté et consolidé le pouvoir du Koli. Parce qu'il a pris ça comme argument pour dire que c'est pourquoi il n'a pas eu d'investisseurs, c'est pourquoi il n'a pas travaillé. Premier point. Le deuxième point, spirituellement, les morts là, c'est sur son compte. Ça consolide les dictatures. Ça fortifie les dictatures. On va commencer pour celui-là. Il va se transformer en dictateur et on ne peut rien. Hey, si je ne dis pas la vérité, je vais vous mentir. On ne pourra rien faire. Rien. Il n'y a rien à faire. La seule chose, quand on le soutient, comme on peut, et qu'il déconne, on peut se retourner contre lui. Et d'ailleurs, il y a une possibilité aussi. Il y a une éventualité. S'il arrive à faire mieux que ce qu'on n'a jamais connu. Pourquoi pas, c'est possible, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Au nom de la démocratie, il faut qu'il quitte. Tandis qu'on a eu des trucs de démocratie, c'est toujours triché, c'est toujours volé. On veut un bien-être, bah, ou bien on veut coûte que ce soit tel ou tel. Il faut que ce soit cette démocratie-là qui n'apporte rien. Il y a les morts tout le temps. Il a parlé des aéroports. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut qu'il fasse rapidement cette transition-là, qu'il parte. Ceux qui disent ça, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir? Si vous braquez le monsieur là, ou le CNRD, wallahi, nous allons le regretter. Nous n'allons pas le regretter pour les morts, et ça, on est habitué à ça. Manifestation, mais vous oubliez ça, parce que ça ne donnera rien, Inch'Allah. Mais nous allons le braquer, et il aura un argument pour s'éterniser au pouvoir. Le peuple qui n'a pas pu enlever le colis, un pourri, comme celui-là, c'est le peuple-là qui va enlever Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas faire qu'on se moque de nous, pardon. Hein? On va faire en sorte pour qu'on nous respecte. Oui. Donc, laissez les gens faire leur truc. On était parti pour 6 ans. Le colis allait mourir au pouvoir. On alla voir le groupe de Kassori, le groupe de Amadou Damaro, le groupe de Mamadi Gané et d'autres groupes qui allaient se battre pour se déchiqueter et déchiqueter certaines personnes d'entre nous pour se maintenir. Lui, il est venu, il les a mis hors jeu, KO. Il les a mis out. Et on va faire la guerre à celui-là. Parce qu'il n'a pas donné la date de la transition.
n'y a pas un peu de foutaise quelque part? Entre nous, sérieusement. Il n'y a pas un peu de foutaise s'il y en a. Mamadi Doumbouya ne nous doit rien. On n'a pas voté pour lui. Il n'a pas de projet de société. Il n'a pas de parti politique. Donc, il ne nous doit rien du tout. Rien, zéro. C'est les partis politiques pour lesquels les gens votent qui leur doivent. Ceux-là aussi, quand ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire. Ne donnez pas la force. Pour l'instant, là, il y a un truc en place pour tout faire, pour salir ce monsieur et salir la transition, pour glisser, pour que le colis passe. Nous devons bloquer, faire en sorte pour que le colis soit jugé d'abord. Dans 3 mois, normalement, le truc du 28 septembre doit commencer dans 3 mois. Quand ça doit commencer dans 3 mois, les audits aussi sont là. On commence à récupérer les argent à gauche, à droite. Quelqu'un va se lever que non, moi, c'est la transition là, je ne sais pas c'est quelle date. Il faudra lui demander à Alpha Condé que tu vas quitter ici, quand? Ou bien, pourquoi on ne lui a pas demandé ça? Pourquoi? On l'a laissé, non? Nous l'avons laissé, on s'est débrouillé avec nos bouches comme on pouvait. Ce qui est arrivé, ça s'est passé. Ce n'était pas notre force. Ah, Mamadi Doumbouya aussi, il connaît Dieu plus qu'Alpha Condé, plus que le colis. Parce que même si lui n'a pas juré, il a fait jurer les gens sur la Bible et le Coran. C'est un bon signe. La Bible et le Coran qu'il a utilisé là, c'est la Bible et le Coran là que nous aussi nous allons utiliser contre lui. Quand il va déconner, quand il va déranger, sur la limite du raisonnable. Parce que tu ne vas pas te mettre à te battre contre quelqu'un. Tu ne sais même pas au fond ce qu'il pense. Et même si, c'est-à-dire même s'il veut s'éterniser au pouvoir. Comment vous avez vu quelqu'un chercher le pouvoir pour donner à quelqu'un? Impossible. L'armée même sait que les civils, là, excusez-moi, l'armée indisciplinée, nous sommes indisciplinés, c'est de notre faute. Si vous voyez ici, pendant à peu près un an, tous les jours, je le disais, parlons de l'affaire de Victoire, là. Là, la démocratie allait avoir une petite chance si tout le monde m'avait écouté. Mais là, la démocratie, elle a échoué. L'armée est venue en renfort. Aujourd'hui encore, je suis en train de vous dire quelque chose. Restons derrière le monsieur là. Soutenons-le. Nous aussi, faisons un truc, créons quelque chose pour que le monsieur soit jugé. Parce que c'est un seul côté qui est en train de réclamer, qu'il n'a qu'à, on n'a qu'à le libérer. C'est un malfaiteur accusé. Il est coupable, il n'est pas coupable. Allah seul le sait. Donc il faut être jugé pour que les responsabilités soient situées. Et en plus, les vols qu'il y a eu, comme ce que je viens de dire pour les routes, 200 millions de dollars, j'espère que c'est faux. Ça a été donné à qui? Dans combien de temps? À quel moment? Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi nos routes sont dans cet état? Pourquoi la téléphonie est comme ça? Pourtant, l'argent a été payé. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. On va mettre tout ça à terre pour précipiter une élection. Pourquoi? Cela a été fait en 2010. Il y a eu combien de morts dans l'intervalle de 2010 à 2021? Combien de morts? Combien? Dans cet intervalle, il y en a eu combien? Dans cet intervalle. Si les gens savaient que cela allait arriver, vous connaissez le prix d'une seule âme? Une seule âme, combien ça coûte? Laissez les gens réclamer leur colis. Quand ça va arriver à un niveau, nous aussi, nous allons réclamer que le colis n'a qu'à rester enfermé. Au lieu de créer des camps et des tensions à gauche, à droite, de manipulation, oh, c'est quand la transition, quand ça va finir, oh, le colonel a dit si, ah, on vous avait dit, vous les moutons là, on vous avait dit, c'est vous qui êtes en train de danser ici, ah, ouais, maintenant, venez. Oui, nous avons dansé, nous allons encore danser si on en a envie. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous interdire de danser. Mais je préfère Mamadi Doumbouya là-bas, pour l'instant, avec ce qu'il nous montrait, parce que ça peut changer, le pouvoir change quelqu'un. Mais c'est le peuple qui fait en sorte que la personne se comporte comme il se comporte. Je préfère les 3 mois là que les 11 ans du colis. Parce que tout ce que nous avons dans ce fichier sale là, toutes les personnes, tous les emplois fictifs, tous les 2000 communicants qui racontaient tout et n'importe quoi, parce qu'on les paye, c'est pas n'importe qui aurait pu faire ça.
mettre tous ces bandits-là à côté. Ils sont là, ils ne peuvent même pas se remuer. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc, c'est à cela que tout un chacun doit penser. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous l'ai dit, moi, je n'influence personne. Je n'ai même pas la capacité et la faculté d'influencer quelqu'un. Je donne mon point de vue. Parce que demain, aujourd'hui, je vais vous rappeler. Après le 18 octobre, il y a des gens qui sont sortis. Il y a des cadres basse-côtiers qui sont sortis, qui sont partis à gauche, à droite, voir les jeunes. Vous avez donné le pouvoir au peuple. Il faut sortir, rien. Il faut sortir. Ils ne sont pas sortis. Ou bien, il y a d'autres trucs qui ont été créés. Ah, on va se préparer en tant que basse-côtier pour avoir notre représentant les prochaines élections, c'est-à-dire 2026. Écoutez très bien. Tandis qu'il y avait quelqu'un, deux personnes qui disaient qu'ils avaient gagné, au lieu de les départager. Vous, vous projetez sur 2026. Je n'ai pas besoin de citer le nom de qui que ce soit. Tout le monde sait. Vous voyez? On va laisser, écoutez très bien, on va laisser le pouvoir aux malinqués, même s'ils ne travaillent pas, c'est comme ça qu'ils ont dit, ça a été dit sur cette page-là ici, je m'en souviens. Plusieurs fois, Agi même est venu témoigner ici. Même s'ils ne travaillent pas, même si le pouvoir malinqué ne travaille pas, mais ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir comme les peuples. Et si on vous ramène un malinqué qui vous limoge, qui vous enlève à des postes clés, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de travailler. Quelqu'un veut gâter ça. Avoir bon courage. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas combattre le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Je ne vais pas chercher à le combattre pour l'instant. Je reste derrière lui. Parce que moi, je n'ai pas oublié tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une mémoire de poule ou certaines personnes veulent faire qu'ils aient des mémoires de poule. Moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, si on vous ramène un autre malinqué, vous ne voulez pas de peule, ben vous êtes servi. Mais vous êtes limogé, vous êtes humilié et vous n'avez pas de parti politique. Ça, c'est Allah qui peut faire ça. Un être humain ne peut pas le faire. Oui, un être humain ne peut pas faire ça. Maintenant, si vous voulez aller à l'encontre du travail d'Allah, à son encontre, ça ne sera pas avec moi. Je ne ferai pas de vidéo pour ça. Je ne m'en mêlerai pas. C'est-à-dire, je vais être comme si je ne suis même pas là. Oui, parce que savoir ce qui s'est passé le 28 septembre, savoir tous les morts qu'il y a eu à travers la Guinée, on ne connaît même pas tout le nombre exact. Limoger les gens là, récupérer l'argent qu'on peut récupérer, ça, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans, peut-être plus. Et entre-temps, peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. Peut-être, pourquoi pas, Inch'Allah, gâcher tout ça à cause de la démocratie qui ne donne aucun effet. Le plus grand démocrate de la Guinée, soi-disant, on l'a vu, comment il a fini. Il a commencé sa démocratie dans la rue. C'est lui qui a créé la manifestation de rue en Guinée. Il est enfermé. Donc, les manifestations de rue sont enfermées. Ses autres compagnons sont tous décédés. Comme lui, il est fermé là, là où il est là. Nous allons faire en sorte qu'il y reste en bonne santé et en longue vie. Une très bonne santé. Que nous parlons des responsabilités de tout un chacun. Si lui-même il a été piégé, que nous sachions qui l'a piégé. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait pendant ces 11 ans-là. Et demandez à la CEDEAO, pendant ces 11 ans-là, eux ils ne regardaient pas la télé. Quand eux ils venaient en Guinée, ils ne voyaient rien. Quand les opposants les contactaient, ils ne voyaient rien. Les vidéos que les gens faisaient, ils ne regardaient pas de temps en temps. Aujourd'hui, ils vont venir nous dire quelque chose parce que peut-être que quand on va gratter, on va voir quelque part qu'il y a deux, trois personnes parmi eux qui ont reçu quelque chose. Peut-être qu'eux aussi sont en train de se positionner par rapport à ça. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas savoir ça. Mais nous le savons qu'ils ont reçu de l'argent. Ça, c'est clair. Le colis, tout son truc, c'était de payer. Parce qu'il savait qu'il était illégal. Il savait que le peuple ne l'aimait pas. Et c'est prouvé aujourd'hui que le peuple ne l'aime pas. Et je vais encore répéter et le dire. Le colonel Mamadi Doumbouya,
je peux dire qu'il est aimé par 50% de la population. Je peux dire 50%. 50%, c'est beaucoup. Il y a des gens qui disent 60, il y a des gens qui disent 70. Moi, je dis 50. 50, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un parti politique. Parce que ce n'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui est sorti comme ça, boum. S'il a réussi à avoir 50%, un peu de tous les partis politiques, un peu de toutes les ethnies, les autres 50% là, les gens sont énormément déçus des partis politiques et des hommes politiques. Je ne vous le cache pas. Les gens sont énormément déçus, très très déçus de la démocratie et des hommes politiques. Mais les gens qui voulaient que ce soit leur ethnie qui prenne le pouvoir, parce qu'il y avait ça, il y avait d'autres coups d'État, ceux-là ne sont pas contents du colonel ethniquement. Mais c'est leur plan qui s'est retombé sur eux. Si vous avez bloqué un peu, vous aussi on vous bloque. Mais est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Tu vas te plaindre à qui? Tu n'es pas là où te plaindre, puisque Allah, lui, il sait que qui avait bloqué qui et comment et pourquoi. Lui aussi, il vous refait la même chose. Ça, c'est Yah Hakim. Il juge et retourne à l'envoyeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas pleurer? Tu n'as pas là où pleurer. C'est pourquoi il faut faire les choses proprement. Pour faire les choses proprement, avec le colonel, il faut rester derrière lui. Moi, tout le monde m'attendait ici. Elle soutient Seloudel Ndiallo. Elle soutient les peuples. Donc, comme Mamadi Doumbou est venue, elle va le critiquer. Moi, j'allais le critiquer. Ça va leur donner la force à eux. Ça n'a pas de sens quand on dit la politique. Mais c'est ça. C'est ça la politique. Ce n'est pas recevoir de l'argent. C'est te positionner et te dire, eh, ah, si je vais par là, ça va faire plaisir à celui que ça ne doit pas faire plaisir. Donc, il faut que je parte par ici. C'est tout. Maintenant, si vous allez veulent les faire plaisir et valider ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, ah, les moutons, vous allez voir, ils seront les premiers à vous critiquer, ils seront les premiers à vous dénigrer. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille, il y a des gens plus pressés que l'UFDG. Si Mamadi Doumbouya n'avait pas pris le pouvoir, vous n'allez pas dire ça. Aujourd'hui, vous n'allez pas croire ça. Parce que tout le monde pensait que non, l'affaire là, c'est CIFD, c'est le Sénégal, c'est tel pays, partout où il y a les présidents peuls, c'est eux qui veulent attaquer la Guinée. C'est un malinqué, bien noir comme le charbon, qui est à 100 km à Forcalquier. Voilà. Donc tous ces facteurs-là doivent faire que chacun de nous réfléchisse correctement. Moi, ils n'aiment pas ce que je dis. Hein, parce que ce que je dis là, c'est moi qui peux dire ça. Parce que je suis dans leur tête. Je connais leur capacité. Quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre liberté surveillée, liberté conditionnelle et liberté, qu'est-ce que lui peut apporter? Quelqu'un qui soutient un camp, le camp la tombe publiquement devant tout le monde. Sauf qu'il m'insulte ici même. Je suis en train d'expliquer aux gens. Le monsieur là n'est pas libre. Oh, toi là, tu es tellement fâché que si, que ça... Si on voit les manifestations des gens là encore manifestés, ah, vous voyez que bon, moi mes mensonges là, ça ne va pas loin, oui, ça sort rapidement. Mais Dieu va vous montrer qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Donc c'est ça, que chacun fasse ce qu'il arrange, que chacun fasse ce qu'il veut. Je n'influence personne, je ne dis à personne de faire ci ou de faire ça, mais je dis et je le répète, la manifestation n'enlèvera personne au pouvoir en Guinée. Inch'Allah. Parce qu'il y a des, il y a même la façon de manifester, de faire les choses que les gens ne connaissent même pas, qu'ils ne veulent même pas savoir, qu'ils ne veulent même pas connaître. Il y a des critères qu'ils ne veulent même pas connaître. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut voir les choses. On n'a pas réussi à se lever contre un vieux, fatigué, mourant, impédé. Excusez-moi. Pour le faire partir. Pourtant, tout le monde était fatigué. Mais comme ils avaient des gens qui faisaient le sale boulot à leur place, ils se sont assis. Alors, cette fois-ci, ceux qui ont l'habitude de se lever, asseyez-vous. Attendez. Il va se passer ce qui va se passer. Il y a beaucoup de mécontents. Beaucoup de personnes sont mécontents. Tous les limogés et tout ce qu'on a mis à côté là, mais ils n'ont pas le cœur. Ils ne peuvent pas. Donc, ils attendent ceux qui ne peuvent pas supporter là. Ceux qui ne peuvent pas retenir. Et ils vont sortir pour eux. Après, ils vont se moquer de vous. C'est ça la vérité. Il n'y a pas 50 000 routes. C'est ça. Donc, je vous dis merci à vous tous pour les partages et les commentaires. Et de faire très, 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 très attention. Être très vigilant surtout.
très vigilant quand tu es en combat avec quelqu'un, quand tu as un adversaire, que ce soit politique ou qui que ce soit, tu te mets à ta place, tu te mets à sa place, tu te mets à sa propre place et à ta propre place pour savoir comment il peut réagir, comment il peut analyser et tirer les leçons du passé. 11 ans, ce n'est pas petit. 11 ans, ce n'est pas petit. La population est très, très déçue des hommes politiques. Très déçue. Parce que même ceux qui n'étaient pas avec le colis, ils se sont dit, ce monsieur-là, plus de 40 ans, non, la démocratie, c'est le maître et le patron. Mais Allah voulait nous montrer. Et ça s'est passé, ce qui s'est passé. Ceux qui ne sont pas contents, vous allez les voir. Ils se manifesteront, Inch'Allah, tôt ou tard. Mais laissez-les se manifester. Laissez d'autres personnes aussi montrer qu'ils ne sont pas contents. S'ils ne montrent pas qu'ils ne sont pas contents, ça va se transformer en gastrite ou en ulcère. Et ils vont se débrouiller avec ça là-bas. Il y a des routes qu'on devait faire depuis je ne sais pas combien de temps. C'est maintenant que le CNRD finit les routes. C'est maintenant là. Ah. Il faut savoir dans la vie ce qu'on veut, hein. Ah, c'est les routes là que quelqu'un m'envoie. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est le projet du colis, c'est le projet du colis. Mais, c'est le projet du colis. Le colis a travaillé. Mais, on est président, c'est pour travailler. C'est pourquoi? C'est pas pour boire le whisky toute la journée, regarder les films porno de gays toute la journée. C'est tout ce qu'il faisait, rien à faire. Quand samedi arrive, ils font la fête, ils font la bombance à Serrouturia. Avec les filles et les hommes mélangés, n'importe comment. Le monsieur est venu casser tout ça. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est ça. Il n'y a pas 36 000 routes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, les gens sont dépassés, ils sont surpris. Oui, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Oh, et là, il va se mettre à critiquer. Je vais le critiquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ce qu'il a fait, qui allait le faire? Maintenant, ceux qui ne sont pas contents de lui, vous aussi, allez-y le prendre là-bas. Allez-y, il faut y aller. Je ne sais pas par quelle méthode, mais il faut aller le faire. Si vous êtes sûr de vous, il faut aller le faire. Celui qui n'a pas réussi à lever le colis, celui qui n'a pas réussi à donner des bons conseils au colis, c'est ça même qui me fait rire. Ah, celui qui a mis le colis dans l'erreur va effrayer Mamadi Doumbouya. Ça fait rire ou bien? Hein? Voilà. Donc c'est ça. Ils sont fâchés. F Konaté Konaté. Comme toi tu es béni là. Merci, au revoir. Ils sont fâchés parce que tout ce qu'ils veulent, ils comptent sur l'UFDG. Vous allez voir. Ils comptent sur l'UFDG parce que c'est l'UFDG, c'est eux les bêtes. Ah, c'est eux qui savent, c'est eux qui ne supportent rien. Les autres vont s'asseoir supporter. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le pouvoir militaire. Énormément de personnes. Mais ils sont assis, ils attendent. Parce que c'est l'UFDG qui va réagir. Ah ouais, il faut continuer. Après, ils vont se moquer de vous. On va tuer. Personne ne va se lever. Personne. Mais quand ils auront chaud, eux aussi vont se lever. Celui qui a chaud, tu es homme. Vous aussi, levez-vous. On va voir comment vous faites. On va voir comment vous réagissez. Nous aussi, on est curieux de voir ça. Pour l'instant, pour la libération, ce qu'on a vu là, ça c'est bon. Ça c'est bon. On veut voir les autres, les limogés, les mis à côté là. On veut voir votre public. Voilà. Quand un moment va arriver, nous aussi, nous allons former un truc. Il faut y réfléchir, Inch'Allah. Réfléchissez à ça. Hein? Toutes les personnes qui ont des bonnes idées avec les familles des victimes, un truc pour le jugement du colonel, pour le jugement d'Alpha Condé. Voilà, sous le CNRD là, on va le juger, Inch'Allah. C'est ça. Certains veulent qu'on le libère, d'autres veulent qu'on le juge. On le juge et puis on sait ce qui s'est passé, qui a fait quoi. S'il n'a rien fait, quoi qu'il en soit, il a fait quelque chose. Et puis il peut avoir une immunité, on met la main sur les autres. Oui, je suis capable de m'asseoir ici un jour pour dire que oui, les responsabilités sont là. On voit que le monsieur est fatigué. On dit, laissez-le aller se soigner. On met les autres dedans. Si on a 20 personnes, on met la main sur 20 personnes ou 30 personnes ou 10 personnes qui ont bien bouffé.
Wallahi, on les fout dedans. Le colis est très, très fatigué, très malade. Moi, je préfère qu'on le laisse aller se soigner. Il est français, on le laisse aller en France. On s'occupe des autres. Ils sortent notre argent et puis ils font la prison tranquillement, sans aucun souci. Il faut savoir, il faut avoir les idées là. Il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Vraiment. Lui qui dit là, on s'en fout de la démocratie. Voilà, mon frère, tu n'as pas menti. La démocratie là a vraiment, vraiment déçu énormément de monde. Que des morts, ils ne respectent pas les mandats, ils ne respectent pas les droits, ils ne respectent rien du tout. Je dis et je le répète, il y a beaucoup de personnes très, 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 très fâchées, énormément fâchées contre le colonel Souma Souma Nadi. Malik le Guinéen, tu dis de lire ton message. Ah, il y a beaucoup de messages, toi aussi, je n'ai pas vu. Si je vois, je vais lire. Excuse-moi. Ça passe vite. Ceux qui critiquent le CNRD sont des ignorants. Non, ça, c'est pas Malik qui a écrit ça. Ça, c'est... Je ne sais même pas. Il a un nom bizarre, là. Issiaka Kamara. Voilà. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Désespoir total. Maintenant, ils veulent des renforts. Les renforts, là, ça ne sera pas nous. Les renforts, là, nous aussi, nous allons faire en sorte chaque petit élément de chaque parti politique. Ben Malin, quoi, là. Wallahi, démocratie, que conflit est. Toi, ton nom, là. Boun Malinke, ou quoi, là. Nous allons prendre un peu dans toutes les ethnies, un peu dans tous les partis politiques, Inch'Allah, nous aussi, nous allons réclamer la justice pour le colis. C'est la justice pour lui. Voilà. Pour que les bandits qui se cachent derrière là, qui veulent passer doucement là, on les rattrape, Inch'Allah. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir la suite dans les idées. Maintenant, c'est leur droit. Ils n'ont qu'à réclamer. Et il faut qu'on revienne sur un truc. Les manifestations sont interdites. Vous voyez le cercle vicieux. Quand le CNRD est venu, ils ont réglé cette affaire de Covid pour dire, pour que les gens puissent être libres, sortir les vrais chiffres. Maintenant, les gens vont commencer à parler de manifestations. Et s'ils disent, comme le colis faisait que, ah, maintenant, hein, Corona, ça ne fait qu'augmenter, on va tout refermer. Ils peuvent le faire. Pourquoi pas? C'est ça qu'ils ont trouvé en place, non? Hein? Maintenant, si on laisse les autres manifester pour la libération du colis, nous aussi, nous allons demander à manifester pour le jugement du colis. Non, 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 ils ont le droit, ils ont manifesté, ils ont forcé. Nous aussi, on peut forcer, manifester, pourquoi pas, Inch'Allah. Et à ce moment-là, on aura deux groupes avec les familles de victimes, tout ce qui s'est passé en forêt, les forces communes, tout ce qui s'est passé à gauche, à droite, on met tout ça en œuvre. Je pense qu'on pourra avoir 500 personnes. Eux, ils étaient 50 ou 100 ou 200 en 11 ans de règne. Si nous aussi, on réussit à avoir 500 ou 1000 personnes, machallah, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. C'est ça. Donc, c'est des manipulateurs. Eux, leur politique est basée sur la manipulation. Ah, les autres ne seront pas contents. Ah, on va se positionner par rapport à ça. Les autres ne seront pas contents. Votre mécontentement, il faut régler ça d'abord. Nous, on est déjà, on est libres. Tous les hommes politiques là sont libres. Ils montent et ils descendent. Ils n'avaient pas ça avant. On ne peut pas tout avoir 100%. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie. Tu ne peux pas avoir tout, que tout est positif. Non, il y aura un peu de négatif dedans ou un peu de positif. Toujours, c'est une question de pourcentage. Une question de réalisme. Ceux qui ne sont pas réalistes, je ne peux rien faire pour ce genre de personnes. Donc, Atananaki, merci à tout le monde. Ala womba sentane nu sentane tu yira nere na arba fi aluna ala fi ne wolu dede wona kene mo wona dungu da wona reseaux sociaux mo wali nu sere yu ba fi wona nu ndali yo utiliser fi ala ha kan wura ne de bir na gere mo sofi non di kraya ho ma c'est à dire ala ha kraya ho ma di ne lisam kraya ho ma ala ka sembe fi kanyima ala ne yagi ala mna ka muslim di yagi ala na mayagi. On va un peu revenir sur l'affaire de l'imam, je vous l'avais dit, c'est très très délicat, mais il faut que les gens comprennent une chose: plus tu es proche d'Allah, plus Shaitan te traque. Voilà. C'est-à-dire, tu l'as déclaré comme moi tout le temps. J'ai dit Iblis, Iblistique, quoi que ce soit. Les amis, là, ça dérange beaucoup Iblis. Ça dérange beaucoup les Iblistiques. Donc, ils vont tout faire pour te faire tomber. Ils vont te traquer la nuit, matin, midi, soir, passer par tous les moyens. Mais ça ne peut pas marcher, Inch'Allah. Donc, les imams et les autres, c'est la même chose. Ils passent par toutes les méthodes pour les faire tomber. Il peut être coupable comme il peut ne pas être coupable, comme il peut être...
peut-être accusés à tort. Qu'est-ce que j'en sais, je ne sais pas. Ils ont tous leurs avocats. Les avocats sont en train de se tirailler entre eux. Bon, ils vont faire le nécessaire entre eux là-bas. Ils vont se débrouiller. La justice va faire son travail. Et puis voilà, si l'imam est coupable, il sera radié. Je vais profiter de l'occasion de cette histoire de l'imam. Je vous l'ai dit régulièrement que la musique, c'est un don détourné. Ce n'est pas caché. Les Guinéens le savent. Les sages le savent. Voilà, il paraît que c'est un ancien rappeur. Vous voyez, aujourd'hui, cela le suit. Mais s'il avait été patient, je vous dis, les musiciens rêvent. Ils rêvent de leur musique, de leurs chansons et tout. Voilà. C'est les instruments de musique qui sont interdits en islam. Les instruments de musique. Et vu qu'aujourd'hui, tout est déjà préparé sur Internet, qui peut déceler le bon instrument ou pas? Donc, il vaut mieux éviter, puisque ça n'a jamais développé un être humain. Ça n'a jamais développé une société. Ce n'est pas un débat. Vous voyez aujourd'hui, le fait qu'il ait été un rappeur, il paraît, hein, vrai ou faux, je ne sais pas. Aujourd'hui, on lui colle cela. On lui colle cela. Vous voyez? Tandis que le repentir aussi existe. Le repentir existe, on peut se repentir, pourquoi pas? Bien sûr, bien entendu, Allah, il change qui il veut. Donc, ils vont continuer leur enquête et puis on verra comment ça va finir. Je ne sais pas, Allah seul sait ce qui s'est passé entre eux là-bas. Hein. Et puis, s'il est innocent, on le saura. Hein. Il peut se battre pendant des années pour qu'il soit innocenté. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous les hommes politiques. Déjà, qu'il guide les équipes du CNRD. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide le colonel. Pour ne pas qu'il fasse des erreurs. Pour qu'il mette le pays dans l'erreur. C'est le plus important. Mettre la Guinée dans l'erreur. Mettre la Guinée dans encore plus de... Comment on appelle ça? Plus de problèmes. L'évolution de la démocratie ne veut pas dire que le peuple va forcément s'épanouir. Non, pas forcément, parce que les Africains ne le respectent pas. Les Africains, on va prier Dieu pour qu'il nous amène quelqu'un qui nous amène dans le bonheur, dans la voie de l'islam. C'est ce qu'un musulman lui dit. Quelqu'un d'autre va dire que son bonheur c'est autre chose. Donc voilà, mais se dire que c'est la démocratie qui peut nous épanouir, qui peut nous rendre heureux, pour l'instant je pense que ça nous a créé plus de problèmes qu'autre chose. Les faits sont là. Ce n'est pas moi qui le dis, tout en sachant qu'en Guinée, que les votes sont ethniques. C'est la démocratie qui a amené ça. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Merci pour les commentaires et pour les partages. Je ne sais pas, peut-être... je verrai ces jours-ci, quand j'aurai le temps, Inch'Allah. Je ne sais pas quand. Et n'est-ce pas, Wali yora bafé. Sera que yora bafé, dit la Guinée, fait que n'aura rien, mais la Guinée a balancé. La Guinée a dit que le Sénat a fait un peu de temps. Il a dit Illuminati, Framasson, Reptilien, Divinité, Trinité, Sénat, Adam Sénat, Walina Sénat, Kor Walina Sénat, Guru Walina Sénat, Simbon Walina Sénat, Donzo Walina Sénat, Nyeli Walina Sénat, Moussen Moussen, Abil, Alanatan Loninatan Dalila, Watanara utilisé fait, Atananguda, Atanatan Loninatan Dalila, Watanere a utilisé fait, Atananguda, Why utilisé fait, Moutanere contre ou Bette contre. Atanane tamfanda, mbala raton wole na tansere kana. Ka wo yi grafira la ka bilingoma, ne re na suture. Il faut aller tanan la Guinée wuna kana, wona suture yo ala wo batan suture. Se se wo sutra fe, se ntane ha kote ma, ala wo ba kwa ko ma kene, dunia ka woto. Ba, ala na ka meri kolo, se ntane fa ha groupe kolo. Voilà, ala wa ka meri debarke. Aka ka meri na tantan yo kui. Alors, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas en moto. Alors, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas en moto. On va partir. Parce que c'est un temps où nous venons de l'autre côté. Il est de tous les côtés, en haut, en bas, derrière. Il t'encercle. Donc, tous les jours, c'est les prières, c'est les invocations. Les trois jours lunaires, je vais profiter de l'occasion. Parce que je ne sais pas si je pourrais publier quelquefois la page à des petits soucis. Le calendrier que moi j'utilise, c'est celui-là. Il a cette couleur, le calendrier islamique. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14. Le 14 décembre 2021. Et nous sommes le 10 du mois lunaire, du mois islamique. Donc le 10 aujourd'hui, le 11, le 12, le 13. C'est-à-dire. On est mardi. On est mardi, hein. Mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que c'est ça. Donc, ça commence vendredi, normalement le 13, selon mon calendrier. Il y a les calendriers qui varient
ce que vous avez, je ne sais pas, Abibatou, merci ma chérie. Ce que vous avez comme calendrier, je ne sais pas. Donc, normalement, moi, mon calendrier, si ça commence vendredi, samedi, dimanche, les trois jours lunaires, ça équivaut à un mois de jeûne. La récompense, donc il faut le faire. Vous voyez, toutes les personnes qui vont le faire, j'aurai mon petit pourcentage. Ça, c'est le business islamique. Le business islamique, ce n'est pas l'argent, hein, c'est les bonnes œuvres. Et j'aurai peut-être 1% de bonnes œuvres par personne. Donc, pourquoi pas, c'est pas mal. Voilà, ça sera ça, mes récompenses.